Pourquoi? Garza a un problème cardiaque. Il a besoin de médicaments ou il... Et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider avec son problème cardiaque? Je n'ai pas assez de médicaments sur moi, sinon ce ne sera... On devrait peut-être l'abandonner, il nous ralentit. Vous avez peut-être raison. Il faut... Mais il est où? Il est où? Mais où elle va? Oh, bordel! Ah, quand même! Ouais. On va augmenter quoi? Moi, je pense augmenter le discours, ça suffit. La science, ça peut être bien. Ouais, mais je pense pas avoir un niveau suffisant pour la science. Le crochetage, tiens. Voilà. Ensuite, on va prendre. Alors, les derniers trucs qui sont sortis, c'est résistance aux radiations. Aptitude, rein d'acier permet de porter 23 kg, 50 livres de matériel supplémentaire. Ok. Aptitude, médiation impartiale augmente de 30 points le discours, tant que vous conservez un karma neutre. Bon, ça c'est mort. Une obsession pour les armes vraiment grosses. 15 points supplémentaires à votre aptitude d'armes lourdes. Pas mal. D'un fusil ou d'une arme à deux mains similaires, la précision du SVAV est notablement accrue. Bon, mais je prends ça. Allez hop, c'est parti. J'utilise beaucoup de fusils, moi, pour ma part. Ce n'est pas le moment de discuter. Quoi? Bon, tu lui as dit ou pas? Quoi? En avant. Nous serons juste... Bon, bref. Vous me suivez, c'est l'important. Moi, je veux rien savoir. Tu t'avances pas, tu te démerdes, moi, je vais en sécurité. Enfin, je vais essayer du moins. Là, il doit y avoir des mecs parce que je vois des points rouges. Donc, s'il y a des mecs qui ont des points rouges, c'est qu'il faut sortir un truc assez lourd. Et qui dit truc assez lourd dit minigun. D'accord, ça lui a rien fait. C'est des guirlandes de Noël là, limite. Aïe, ok, j'ai plus rien, j'ai plus de PV. Là, on va bouffer tout ce qu'on trouve dans notre stock. Une dépendance, ok, j'ai une dépendance. Non, c'était une blague. On va pas y aller de cette manière-là. Un truc plus utile quand même. J'ai bien la mine à plasma, mais allez lancer une mine à plasma, vous. Fusil laser, on le répare. Allez hop, un fusil laser, ça passe. Il a pas beaucoup de dégâts, mais en tout cas, il touchera. Ouch! Bon, ok, il a énormément de dégâts, je retire ce que j'ai dit. Par contre, c'est quand il touche qu'il a du dégât, pas avant. C'est bon parce que selon son positionnement, il peut pas me toucher. Il est un peu dégoûté, le monsieur. Aïe! Il me dit, selon ton positionnement, tu peux pas me toucher. Ouah. Ok. Alors, on recommence. On recommence, on recommence. Qu'est-ce qu'il y a de très utile ici? Fusil de combat calibre 12. Bon, ça, généralement, c'est pour le corps à corps, mais. Ça touche, mais ça fait pas de dégâts, on est d'accord. Fusil de chasse, est-ce qu'il fait des dégâts lui? Non plus, loupé, c'est baissé. Il s'est baissé à ses décès. Aïe 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 aïe, est-ce qu'il y a des munitions de trucs par là au moins? J'ai pas un truc qui pourrait m'aider. Qu'est-ce que Daybot? Genre si je mets ça sur la tête. C'est un peu what the fuck, hein. Je vais pas critiquer, hein, mais c'est.
c'est un petit peu le carnaval là. Mais au fond, pourquoi je m'emmerde? Les mecs ils me suivent pas. Alors si je veux avancer, j'avance et puis ils se démerdent. Ah mais non, mais c'est pas vrai. Je suis retombé là-dedans. Bon, ok. Alors... On va bien réussir à se les faire, hein. Le but c'est... C'est quand même de les buter. Parce que je doute qu'ils nous laissent tranquille. Ce qui est con, c'est que tout à l'heure je l'ai one shot le mec. L'autre j'aurais pu le buter tranquille et non. Il a fallu que... Il a fallu qu'on se prenne la tête avec un truc à la con. C'est un pack. Arme. Donc là il n'y a plus de balles, on est d'accord. Là ça peut marcher, mais ça ne va pas le faire. Si ça a marché, il en reste un qui me bombarde de 3 balles d'un coup comme ça. Alors que moi je suis en train de changer d'arme. Fusil laser, mais il a rien à voir avec celui-là. Mais non, c'est fusil sniper celui-là, pas. Aïe aïe aïe. Allez, montre-toi. C'est pas vrai. Il tente quand même tirer 4 balles pendant que lui n'en tire qu'une seule. Ouais, si je reste là, il peut recharger. Enfin, si l'autre là-bas en face, il bouge pas. Donc il a l'air de pas bouger. Ouais, pour le coup, j'aurais pu viser son fusil plasma plutôt. Qui va devenir inutile, j'espère. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Critique, critique, aïe. Non, ok, c'est lui qui m'a fait des coups critiques. Bon, on va passer ce moment-là, écoutez. Je vais essayer de faire attendre les autres. Comme ça, ils avanceront, aïe, sans se prendre de dégâts. Bon, toi, tu me donnes ça. Merci. Aïe, 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 aïe. Si à la place de lui, je pouvais buter lui. Voilà. Déjà. C'est une bonne chose de fait. Ah non. Non, 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 ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Nuka-Cola Quantum. Voilà. Bon, ça maintenant c'est fait. Non, il en reste un. Évidemment, j'ai plus de munitions. Calibre 12. Boum. Ça t'apprendra. On va attendre 1 heure. 7 heures. Non, 2 heures. Bon, les autres sont toujours pas là, c'est pas grave. Fusil laser, microplasma, cellule, voilà. J'espère que les autres y vont avancer, ça me fait chier. Ça me fait chier qu'ils soient pas là en fait. Jette. Mais voilà de quoi prendre de la vie. Oui, je sais, c'est toujours pas très propre. On en est toujours au même point. On n'avance pas depuis tout à l'heure, on est bloqué dans cette putain de coup. Ah là 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 là. Bon ben y'a plus... Y'a des mantas dans les chiottes, alors bon, on les prend, hein, écoutez. C'est à la limite faire un jour, je les attends dans un tunnel, quoi.
Ils restent là-bas s'ils veulent. De toute façon, ils seront bien obligés d'avancer pour la suite de l'histoire. C'est pareil. Il en reste un, soit c'est pareil. Et toi, t'es un peu plus costaud. Voilà. Il en reste encore. Gauche, droite, gauche, droite. Déjà, je vois du nuke à cola quantum. C'est du nuke à cola avec du quantum. Je sais pas ce que ça change. Si, c'est un peu plus de PV, c'est les capsules qui sont, enfin les bouteilles qui sont beaucoup plus rares. Qui doivent être échangées pour avoir des objets spéciaux, je crois. Je sais plus exactement, je sais plus. Ah tiens. T'inquiète, je viens en paix, moi. Regardez-moi ça. La tourelle. Et le mec il est comme ça, c'est parfait. De toute façon ils me disent pas de venir avec les scientifiques, hein. Ils me disent de, enfin sur la carte ils me disent de venir tout seul. Moi je viens tout seul. Ils se démerdent les scientifiques, ils ont pas réchappé, mais ils ont pas réchappé. Hein. C'est leur problème. Et ils sont là. Et Garza il est mort. Ok. C'est de l'ouverture de porte quand même, hein. Une grue rattachée au portail. Ça, c'est du robot aussi. Le robot sentinelle. Voilà le monstre, quoi. Il a un rocket launcher à droite, un fusil laser à gauche, apparemment. Aucun civil n'est autorisé dans l'enceinte de la citadelle. Vous devez partir. Lions, je sais que vous êtes là. Je sais que vous m'entendez. Ouvrez cette saleté de porte. On sait se faire entendre là, madame. J'aime bien l'animation. $770. Oh putain. J'ai pris beaucoup de points d'expérience juste en passant une porte. Excusez-moi. Donc suivre la piste. Non, il y a des entraînements ici. C'est magique. Madison, ici. Je suis surpris de vous voir ici. C'est Tom Madison. Non, c'est l'autre derrière. Ne me prenez pas de haut, Lions. Je n'avais pas d'autre endroit où aller. Vous devez nous aider. Le projet Pureté a été envahi. Un petit peu bugué la cinématique. Oui, on m'a rapporté un incident là-bas. Quels détails pouvez-vous me fournir? L'enclave. Ces troupes ont attaqué le projet Pureté. James est mort. Ce n'est peut-être pas le seul. Je ne sais pas. Vous devez faire quelque chose. Alors, ce que nous craignions est arrivé. Madison, je suis désolé de ce qui s'est passé. J'aurais aimé pouvoir faire quelque chose. Moi aussi. Alors faites quelque chose. Ils se sont emparés du purificateur. Lions, on ne peut pas leur en laisser le contrôle. Ce n'est pas juste. Mais ça, c'est sûr. Du calme. Vous savez aussi bien que moi que le purificateur ne fonctionne pas. Il leur est inutile. Il est peut-être temps de partir. Ce n'est pas vrai. James, il a trouvé ce qui manquait. Nous savons comment le faire marcher. C'est vrai? L'enclave est au courant? Ouais. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Je n'ai plus aucune idée de ce qui peut se passer. Très bien, Madison. Tout ira bien. Bien. C'est le fils de James, je présume. La ressemblance est frappante. T'es sérieux? T'as vu ma oui. coupe de cheveux? Il sait de quoi nous avons besoin. Un ordinateur de Voltec, quelque chose pour localiser le matériel. Aidez-la, je vous en prie. Aidez-la? Très bien. Nous allons régler tout ça. Je dois me reposer. M'allonger, tout ça a été trop éprouvant. Rothschild devrait vous aider. Mais n'oubliez pas qu'il est de la confrérie. Je ne lui ai jamais fait confiance. Attention à ce que vous lui direz. Il a l'air plus de confiance que toi, biatch. Coucou. Non. Vous réussissez à vous coller dans toutes sortes d'ennuis, pas vrai? Un Bienvenue peu, ouais. à la citadelle. Rares sont les civils qui ont le droit d'y entrer. Merci. Quelqu'un au sein de la citadelle peut-il me montrer comment on porte une armure? Le paladin Guenny forme tous les initiés à l'emploi de l'armure assistée.
mais seulement après qu'ils ont reçu une instruction rigoureuse. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, mon père vous donnera peut-être une autorisation spéciale. Mais vous devrez la lui demander. Ah bah volontiers. Bon, on va y aller. Restez ferme. Toutes mes condoléances. M'en fous de mon père. Forme-moi. Je peux. Compte tenu des circonstances, je crois qu'il serait plus prudent que vous suiviez. Merci. Allez voir Gunny dans la cour. Vous le trouvez. Ouais. Il va me donner une armure. C'est toi la grosse. Père, puis-je vous dire un mot? C'est toi Gunny? Non, c'est pas toi Gunny. Oui, Gunny était dans la cour. Mais il est où Gunny dans la cour? Il est pas dans la cour Gunny. Maintenant, du neuf sur le petit de la maison. Il est dans la cour Gunny, s'il dit Gunny dans la cour. C'est lui Gunny. Dis-moi que c'est toi Gunny. Oui, c'est toi Gunny. Initié, vous avez du culot d'interrompre. Tais-toi. Montre-moi comment on porte une armure. J'ai appris votre venue. Oui, je peux vous former, mais ça ne me plaît pas. Mes initiés doivent trimer. Et vous, vous avez un billet de faveur? Et ouais, mec. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez d'attaque? Tranquille. Pour porter une armure affichée, la première chose à faire est de se détendre. Laissez l'armure travailler, d'accord? Bon, vous... Vous ne branlez rien, vous pouvez porter une armure. Quelle aide puis-je vous apporter? Ok. Mettez une armure sur moi, je dis moi j'ai une armure, dis-moi qui m'a filé une armure. Même pas. Tu m'as pas filé d'armure. Ah, c'est ça. Tiens. Voilà, j'en ai une d'armure maintenant. Et voilà, c'est la classe. Oh yeah. Comment puissante cette armure, je prends aucun dégât de balle, regardez-moi ça. Juste dans la tête en fait que je prends vraiment des dégâts. Mais j'ai surtout toutes les explosions du monde possible. Là dites-vous qu'il m'en a fallu du temps pour mourir. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Donc du coup, il faut que je demande à Papy de me donner l'autorisation d'utiliser des armures. Puis-je commencer par vous adresser mes condoléances? Le monde a perdu un de ses derniers visionnaires. Je sais. Merci de votre sollicitude. C'est bien. Mon cher, je dois trouver un Jack. Vraiment? Je crains que ce soit une perte... Il est en revanche possible que nous puissions déterminer où en trouver un. Dis-moi où. Peut-être. Je crains de ne pas pouvoir vous aider en personne. Je peux en revanche vous permettre d'accéder à un ordinateur d'avant-guerre de Voltec. Volontiers. Vous trouverez... Dis-moi où c'est qu'il faut. Merci pour le coup de main. Donne-moi ça. Allez. Ah, donc j'utilise l'ordinateur Voltec. L'ordinateur, il se trouve où? Apparemment par là. Et puis se battre au corps à corps. Mais les gars, j'ai une solution plus simple pour le corps à corps. Vous emmerdez pas. Regardez, ça s'appelle un fusil. Un fusil. Comme ça. Ça marche bien aussi. Ah là là. Tellement de goritude dans ce jeu. Salut les gars, vous pouvez pas me donner votre armure? Foutez-vous à poil et donnez-moi ce que vous avez sur vous. Ça fait vraiment le truc de l'introduction de l'accueil de Fallout 3, quoi. Parce que là, derrière, ça fait un peu bizarre avec le point qui dépasse, là, mais... Yep là, on descend. On va sur la droite. C'est ce PC là. Bienvenue. Tu comptais pas l'utiliser quand même, hein? Hein? Tiens! Biatch! Nos armes! Je t'en foutrais des armes. Bon, les tuer au moins, on sait que ça nous rapporte pas grand chose. Alors, listing des abris de la région. Océan 76. Fourniture, matériel. Ok. Rien. C'est quoi les objectifs de chaque projet? Accès restreint. On peut voir les objectifs. 187.